c'est des métiers passion que tu fais pas pour l'argent. Parce que un petit peu de notoriété, parce qu'on a affaire aux clients directement, donc ils sont contents de nous, ils nous le disent, c'est flatteur, mais il faut se dire que la quantité de travail, tu peux pas faire ça que pour l'argent. En fait, passionné, parce qu'on est à peu près à entre 12 et 16 heures de travail par jour. Il y a des journées comme le lundi où on se lève à 3h du matin, on finit, il est 20h, on s'arrête un quart d'heure, 20 minutes pour manger et on ne s'arrête pas de travailler. C'est vraiment un métier passion, c'est pas à donner à tout le monde. Si on veut le faire correctement, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abnégation et pour ça, il faut être passionné par son métier. Quoi. Quand on va à Rungis, on est sûr d'avoir la meilleure qualité de ce producteur-là. C'est-à-dire que si je vais chez lui plutôt que d'aller à Rungis, je vais avoir un produit de moins bonne qualité parce que comme son meilleur client, c'est Rungis, et qu'il lui prenne une très grosse quantité, il va s'appliquer à donner les plus beaux produits à Rungis. On a essayé de centraliser un maximum parce que c'est beaucoup d'énergie d'aller chercher les fromages partout. On travaille beaucoup. S'il fallait qu'on aille une fois par semaine ou une fois par mois en Auvergne chercher nos Saint-Nectaires et notre fourme et notre Cantal, s'il fallait qu'on parte dans les Alpes chercher nos Beauforts et puis nos abondances tous les 15 jours, s'il fallait qu'on aille dans le Jura toutes les semaines, s'il fallait que j'aille dans le Berry chercher mes chèvres. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au début, je me suis renseigné, j'ai récupéré le carnet d'adresses de mon prédécesseur, Francis. Francis avait un bon carnet d'adresses avec pas mal de fournisseurs, dans lequel il y avait des personnes intéressantes. Et au début, j'ai fait avec ces personnes-là. Donc, il allait essentiellement à Rungis se servir. L'avantage de Rungis, c'est qu'il y a profusion de produits. Il n'y a pratiquement jamais de rupture. Ça, c'est une chose qui est importante pour un commerçant. Et ça permet, en fait, d'éviter de s'éparpiller. On va au même endroit et on prend tout. Et beaucoup de producteurs fermiers qui produisent à une échelle cohérente ont tendance à vouloir se tourner vers Rungis. C'est une sécurité pour eux. C'est-à-dire que 50% de leur production est vendue d'avance. Ils ont des vieilles maisons qui travaillent avec eux depuis très longtemps. Ils envoient l'excellence à Rungis. Leurs meilleurs produits vont à Rungis. Alors ça, c'est des monsters qu'on paye une fortune d'habitude. C'est des vrais lécrus fermiers. Et c'est des produits qui se négocient autour de 12 euros d'habitude. Et puis là, ils sont à 6 euros. Voilà. Une bonne affaire, il y en a très peu. Donc il faut en profiter. Tiens, j'ai les beaux chabis là, à 2,10. Et c'est vrai que j'ai fait l'expérience en voulant squeezer un intermédiaire, c'est-à-dire le grossiste, en allant directement chez les producteurs. Et je me suis aperçu qu'il y avait deux choses qui se passaient. La première, c'était que, un, je payais plus cher chez le producteur qu'à Rungis. Ça vous paraît incohérent, mais c'est le cas. C'est-à-dire que Rungis achète des grosses quantités. Et moi, je vais acheter des petites quantités. Donc, on va faire un tarif préférentiel à Rungis. À Rungis, dans le fromage, on prend des toutes petites marges, entre 7 et 10%. Donc, c'est très peu. Donc, vu le volume qu'on prend, il paye 20% moins cher que moi. Donc, ça me coûte moins cher d'acheter à Rungis. Donc, j'ai une différence de 7% avantageuse pour moi. Donc il vaut mieux que j'aille acheter à Rungis. En plus de ça, j'aurai un produit de meilleure qualité. En plus, je gagne du temps, de l'argent, de l'énergie, du gasoil,
aller une seule fois à Rungis qu'aller me disperser partout autour. Je vois pour connaître l'affinage en fait. Ça n'empêche pas d'aller voir mes producteurs régulièrement, chez eux, de voir comment ils travaillent, de discuter, de goûter leurs nouveaux produits. Et ça n'empêche pas d'acheter à Rungis à côté. Donc en fait, pour beaucoup, on a essayé de centraliser nos achats de manière à ne pas s'éparpiller et à faire une journée d'achat complète. Le lundi, je vais à Rungis, ma femme part faire les achats, elle, locaux. Avec le camion, elle va sous main train, elle va à Époisses, elle va récupérer l'ensemble des produits régionaux le même jour. Donc tous nos achats se font ensemble. Ah mais c'est normal, c'est laissé ça le plus vieux. 33% des arrivages sitôt pour nous. 33%. Tu vois, Jackie, ça me fait une demi-molle. Il faut les là, c'est bon pour nous. C'est tout. Mais c'est quoi, là? Ça va, cette semaine. C'est des poisses pas chères, pas là-bas. Trois fauteuils, s'il te plaît. Merci. On va aller à la cave. C'est qu'il me faut un 18 mois, 24 mois. Un 18, un 24. Ouais. Deux fois un quart. Yes. Tiens, on va aller voir ça. Pour les compter et pour les pâtes pressées, les produits qui se gardent un peu plus longtemps, par contre, on a un autre système. Soit on part au Fort Saint-Antoine ou au Fort des Roues, où on a décidé d'acheter nos comtés, on coche des roues qu'on va se faire expédier sur Rungis. Un lot complet de comtés, c'est-à-dire entre 6 un lot et 12 meules. Entre 6 et 12 meules de côté. Voilà. Et donc, elles sont mises de côté pour moi, exprès. Et je les récupère quand j'ai besoin. Des gruyères à côté. Et là, j'ai récupéré aussi des gruyères suisses. Très vieux, très cristallisés. Voilà, des très vieux gruyères suisses qui étaient, si tu veux, peu chers par rapport au prix des marchés. Et c'était, et, à la qualité surtout. Et c'était un très bon rapport qualité-prix. Donc, plutôt que de prendre une roue, Thierry a bien voulu me les garder. Et ce qui me permet, en fait, de les récupérer quand j'en ai besoin. Il me facture au fur et à mesure que je récupère mes roues. Et j'ai le stockage à façon. Le grossiste à Rungis prend une petite commission de l'ordre de 1 à 2%, qui est ridicule, pour le stockage. Et on vient récupérer notre marchandise. Voilà. Le transport est à notre charge, bien sûr. Ça, c'est la... C'est une des solutions qu'on a trouvées. Deuxième solution, Jean-Marie, le grossiste en comté, nous met systématiquement ses meilleurs lots de côté, parce qu'on a des gros clients pour eux. On passe environ, allez, 2 roues par semaine, 3, 4, 4 roues par semaine. Donc, ça fait donc, façon, ça fait 200 roues de comté par an. Donc, 200 roues de comté par an, on est un de ses meilleurs clients. À partir de là, les meilleurs lots nous sont gardés, systématiquement. Les meilleurs mois d'affinage, les meilleurs lots, c'est pour nous. Donc, ça nous évite de l'énergie et du temps aussi. Celui qui me plaît le plus, en fait, avec lequel qui... Parce que finalement, c'est un fromage qui évolue dans le temps, qui change en permanence, qui a plusieurs formes dans l'affinage. Et on se retrouve avec un produit qui va d'un côté très lactique, très beurré dans les premiers mois, à quelque chose de presque minéral, et en passant par une période aromatique et beurrée au mieux. Et c'est incroyable en fait la diversité de goûts qu'on aura avec le même fromage selon si on le prend au début de sa vie ou à la fin de sa vie. Et pour moi le comté c'est le fromage le plus complexe et qui m'inspire le plus de respect pour cette raison et aussi pour la façon dans laquelle les gens se sont organisés pour le produire. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des producteurs de lait qui se sont mis ensemble pour gérer leur fromage. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun grand groupe comme Lactalis, comme Besnier, comme Bell, qui interviennent dans la fabrication et dans la commercialisation de ce produit-là. C'est un vrai produit de terroir. Et ils ont su s'organiser en coopérative et en fruitière de manière à maîtriser l'ensemble
de la production à la commercialisation. Ce qui fait que quand vous achetez un du Comté, vous achetez un au producteur directement. Deux, vous achetez un produit qui est suivi qualitativement par les producteurs eux-mêmes. Donc ils sont irréprochables à ce niveau-là parce qu'ils ont un cahier des charges qui est draconien. Au niveau, pas d'ensilage, pas d'engrais dans les prés, etc. C'est presque un produit bio, le Comté. Ils sont au maximum de l'agriculture raisonnée. Et ce qui est plaisant chez eux, c'est qu'ils ont une constance et une qualité qui est irréprochable. Et en plus, ils ont su se protéger de la mondialisation, des tentations, financières. Et ils gagnent tous bien leur vie. Ils sont bien organisés et ils ne volent pas les gens. Moi, je dis que c'est une vraie réussite et qu'il y a beaucoup d'appellations contrôlées qui n'ont pas su se protéger comme ça. Et c'est dommage pour eux parce que, du coup, ils tombent dans une autre approche. C'est-à-dire, là, c'est l'approche mercantile et le produit passe en second plan. Là. Tac, tac, tac. C'est ce qui donne ce côté craquant au fromage, là. Voilà, qu'on dit grain de sel. Tac. Belle pâte luisante, ça doit être très bon. Ah, sans y goûter, ça doit être très fin. Pas ça. Sur des laits de... On aime bien les laits de... Mais juin, septembre, octobre. On aime bien ces laits-là pour plusieurs raisons. La première, c'est que mai-juin, c'est très floral, très aromatique, avec beaucoup d'acidité, mais ça, c'est dû à la saison. Garde. Pour la garde, en fait, c'est des fromages qui se gardent bien. Et on aime bien aussi les mois d'octobre et de septembre parce qu'ils sont tout ronds, ils sont plus durs à faire aussi, mais ils sont très ronds. Et c'est un peu moins vifs, mais ils sont très agréables aussi pour la garde. On n'achète pas de Comté d'hiver parce que c'est vraiment pas aucun intérêt. Ça, c'est dans les vieux, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt parce qu'en le faisant vieillir, il n'évolue pas. Alors que tous ces fromages d'été, ils évoluent vraiment, quoi. Voilà. Sondé, ça s'appelle. Je vais y aller doucement. Carotte. Heureusement que le 16-9e, hein. Si tu rentrerais pas dedans, sinon ça c'est pour toi. Salope. Voilà. L'intérêt c'est d'essayer de boucher. Un tout petit peu de pâte. Pourquoi le matin, en fait... Pour que l'oxygène rentre. Voilà, pour faire une tachéité. En fonction de ce dont on a besoin, de choisir. C'est-à-dire que si on a besoin d'un Comté jeune, assez aromatique pour un restaurant, ben on va aller vers tel producteur. Si on veut quelque chose d'un peu plus rond, on va aller chez Vagne, par exemple, avec moins de goût, mais plus de rondeur, et plus de facilité d'accès, et ben on ira chez Vagne, et etc. Et ce qui nous permet d'éviter de monter tous les 4 matins dans le Jura. Je vais recevoir un petit message. Appelez-vous, monsieur. Voilà, on revient à la surface. Au niveau des quantités de fromage que l'on passe par semaine, c'est très variable, mais en général, on tourne entre 1,5 tonne et 2,5 tonnes de fromage par semaine. Parce qu'on a pas mal de restaurateurs qui nous font aussi l'honneur de travailler avec nous. Qui nous prennent pas mal de quantité, ce qui nous permet aussi d'avoir un bon roulement sur nos produits. C'est-à-dire que y a des produits qu'on ne ferait pas trop s'il n'y en avait pas des restaurants. Les restaurants nous permettent d'avoir, si vous voulez, une masse suffisante pour acheter à bon prix et surtout pour ne pas avoir de pertes. Voilà. Donc on a un produit qui a une forte rotation et du coup c'est plus intéressant. Ah, on n'a pas les mêmes valeurs. Laisse tomber, je prends pour un
Ça, alors, c'est des fromages qu'on va transformer en tonnerre, ça. Donc, on va les affiner. Ah non, ouais. T'as commandé le content que je l'avais vu. C'est beau, ça. Ça, c'est de la vache. Ça, c'est archi simple. C'est de la vache, ça. Ça, c'est de la vache. Ça, je vais certainement vendre ça à 1 euro. Ah bah tu vas mettre un peu de côté aussi. Ah. Je sais pas par combien ça sera au niveau des caisses. T'as vu 1 euro la pièce, en fait, là. Ça va être pas mal, non? Ça, c'est de la vache. Hein. Ouais. Faut goûter, on va voir ce que ça donne. Et puis, ouais. Alors, on les goûte, hein? Ouais. Je te dis ça la semaine prochaine. C'est un pot de famille d'accueil. Les mecs, ils y ont laissé. Genre à la base, là. La puisée. La puisée, ah ben c'est chez nous. Hein. Vraiment, t'as le puisée, quoi. Carton là, hein, c'est pas possible. Il y a plusieurs pôles dans mon métier. Le premier, c'est bien sûr, je suis avant tout un commerçant parce que je vends mes produits pour moi. Ensuite, je suis affineur parce que je m'occupe de mes fromages, je les lave au besoin, comme je fais avec le sous-maintrain ou comme je fais avec le tonnerre. Je me remets en question en créant régulièrement des produits ou en trouvant des solutions techniques nouvelles grâce à vos petits laboratoires qu'on a. Ensuite, c'est aussi un métier de marché, donc c'est un métier de forain, donc il faut s'adapter à cette vie un peu particulière. Et l'autre partie, c'est un métier d'acheteur et aussi de demi-gros auprès des restaurateurs que je sers. Voilà, c'est un ensemble de choses qu'il faut gérer de façon, j'allais dire, assez carrée. C'est pratique, quoi. Je verse le ratat.
Le tonnerre, c'est une rencontre entre... J'allais dire, on avait fait une dégustation à l'aveugle avec des amis. Et au départ, on avait associé le ratafia avec du fromage. Et on avait trouvé que ça mariait pas mal sur des fromages un peu forts. Donc on l'avait pas mal apprécié avec le sous-maintrain. Et on s'était dit, c'est un fromage de vache, il est quand même très fort, très marqué, un peu amer sur la fin de bouche. Il y a des périodes de l'année où il est... Et on s'est demandé comment l'adoucir, quoi, en fait. C'est parti de là, la réflexion. La réflexion, c'est faire un fromage de vache de la région qui soit moins fort que le sous-maintrain et moins salé que les poissons. Un jour, j'ai eu un lot de fromage frais que j'avais acheté à un petit producteur du coin. Et je me suis dit, je vais essayer de créer quelque chose qui corresponde parce que je trouvais que les fromages de la région étaient tous des fromages forts, crémeux. Je vais essayer d'affiner un fromage au vin blanc, ça existe. À l'eau salée, ça existe. Homard, ça existe. Et je me disais, l'autre boisson emblématique de la Bourgogne, c'est le ratafia. Et d'après les essais gustatifs qu'on a fait, ça se marie très bien avec le fromage. Alors pourquoi pas laver un fromage au ratafia ? La première réflexion, ça a été ça. Et c'est grâce à la présence d'un ami qui est venu nous rejoindre dans l'équipe, Thomas, qui m'a libéré un peu de temps pour faire les essais. Et ces essais, je les ai faits petit à petit sous ces quelques fromages frais que j'avais eus. On a raconté plusieurs problèmes. L'affinage, c'est-à-dire à quel stade doit-on récupérer les fromages ? Déjà, il faut les affiner partiellement, donc les ressuyer dans un premier temps. En deuxième temps, une fois qu'ils sont, j'allais dire, sur la bonne texture, on peut attaquer l'affinage. Donc, ça a été de trouver le moment lambda, pile poil, auquel on pouvait attaquer ce fromage. Si vous voulez, dans un premier temps, il faut qu'il soit pas trop sec, pas trop crémeux, pas trop égoutté, ni pas assez. Donc on a eu du mal à situer le nombre de jours de fabrication. C'est-à-dire qu'on prend un fromage à une semaine et demie, 10 jours, avant d'attaquer l'affinage. Donc les fromages qu'on reçoit, ils ont 10 jours. Voilà. Ces fromages-là, ensuite, on a essayé de les laver. Qu'au ratafia. On a vu qu'on avait des problèmes. On avait des petits problèmes parce qu'en fait, ça avait tendance à crémer sur le dessus, le fromage restait assez ferme. Donc il a fallu qu'on crée artificiellement une petite croûte sur le fromage en mettant de l'eau salée pour créer une réaction chimique. Donc on a fait un saumurage à base d'eau et de sel avec lesquels on a frotté nos fromages pour le démarrer en fait le fromage. Pour faire comme un début de sous-maintrain si vous voulez quelque part. Je me réfère au sous-maintrain parce que les gens de la région connaissent le sous-maintrain. On pourrait dire de la même chose du Munster, comme le début d'un Munster, comme pour toutes les croûtes à l'eau salée. Une fois que ce démarrage a été fait, on est passé au ratafia. Alors au début, on a lavé tous les jours. Tous les jours, ça posait des vrais soucis. Des vrais soucis parce qu'en fait, le fromage était très crémeux, trop crémeux, et ne se tenait pas à l'intérieur. Donc on avait une différence de texture très ferme à l'intérieur et très liquide sur le dessus, ce qui posait des soucis de manipulation. Ensuite, on a essayé de mettre du ratafia pur, de le couper avec de l'eau, de mettre un peu de sel dessus. Et tout ça, on a mis, je veux dire, moi j'ai mis peut-être 6 mois avant de trouver la bonne recette. Et chaque fois, il fallait noter sur un cahier, de manière précise, ce qu'on faisait pour ne pas réitérer les erreurs qu'on faisait. Et de façon empirique, on est arrivé à une recette, en fait. C'est comme la création d'une recette. C'est-à-dire qu'un chef, quand il crée un produit, il est obligé de le noter pour que ses collègues, son second, ses commis, puissent réaliser la recette de façon parfaite. Et nous, on a fait pareil, on a fait de façon empirique, en éliminant tout ce qui ne fonctionnait pas et en ajoutant ce qui fonctionnait jusqu'à obtenir le bon compromis. Et là, depuis, encore, on travaille sur certains détails pour obtenir quelque chose de parfait. Voilà. Et on n'est pas encore au bout de nos surprises puisqu'on n'a pas fait une rotation complète de l'année. On n'a pas eu encore des fromages d'hiver
Jusqu'à présent, on n'a eu que des fromages d'été, puisqu'on a commencé au mois de mai-juin à faire nos fromages, quoi. Donc là, on va attaquer une période où les fromages vont être plus gras, plus protéiniques, et on risque de se retrouver avec d'autres problèmes à résoudre. Donc on est encore dedans, et on sera encore dedans pendant plusieurs années, je pense. L'essentiel de notre travail, donc, c'est surtout l'affinage du tonnerre qui nous prend beaucoup de temps. Ceci dit, on est obligé de prendre soin des autres fromages, et notamment des pâtes pressées. Et ces fromages-là, on les reçoit, ils ne sont pas dans une bonne température, ils sont stockés un peu trop bas. Donc on les remet en température dans la cave d'affinage, comme j'ai expliqué précédemment. Mais j'ai omis de dire aussi que de temps en temps, on est obligé de faire une petite saumure avec de l'eau salée et de remouiller les croûtes pour éviter qu'elles se fendent et qu'elle le casse. C'est pour ça qu'on essaye de maintenir toujours un peu d'humidité dans la cave d'affinage, de manière à ce que les fromages soient dans des conditions optimales. C'est-à-dire que si on a besoin de mettre des produits et de les bloquer, mais pas de les figer, on les met ici, on est à 8 degrés, à côté on est à 12, ici on est entre, on a dit 2,5 et 4,5, et ici on a 8 degrés. Donc là, on a affiné pendant le temps à côté des tomes de brebis. Avec une éponge humide ou un linge humide, on frotte les fromages de temps en temps et on les retourne ensuite. Voilà. C'est l'essentiel du travail qu'on a à faire sur les pâtes pressées. Parfois, il nous arrive de faire la même chose sur d'autres fromages, mais c'est pour des raisons. C'est-à-dire qu'il y a eu un développement bactérien qui n'était pas, j'allais dire, pas prévu, qui n'est pas très esthétique. Donc là, ça nous oblige parfois à laver avec de l'eau salée aussi, parce que n'oublie pas que le sel, c'est avant tout un conservateur et aussi quelque chose qui est un bactéricide. Hein. Voilà, ça nettoie. Voilà, on s'en sert parfois. Si on doit résumer l'activité en chiffres, on va dire qu'on a à peu près entre 80 et 120 sortes de fromages en permanence sur l'étalage. Ça dépend des saisons, il y a des saisons où on est un peu plus prolixe, hein. Il y a des fromages de saison, on va parler de l'été avec la mozzarella, la burrata, les feta, les chèvres frais aux herbes, des choses qu'on produit aussi. Donc on se retrouve avec d'autres produits qu'on a l'hiver. L'hiver, c'est des mondors, c'est de la raclette, etc. Donc on a la chance, un peu comme dans les fruits et légumes, d'avoir deux saisons différentes, mais d'avoir à peu près le même nombre de fromages. Et c'est vrai que c'est beaucoup de références à gérer, et c'est pas toujours évident, parce qu'il y a des choses qui s'avancent moins que d'autres. Et c'est difficile au niveau des achats, et c'est surtout que c'est des produits qu'on va garder pour les affiner, pour les arriver à maturité. Donc il faut qu'on sache ce qu'on va vendre par avance, c'est parfois un peu délicat. Et par expérience, on y arrive, quoi, en fait. Vous allez vous régaler avec les bijoux, ils sont super. Il n'y a pas ce que t'as mis tous les 24. Et un morceau de matin, malheureux. Hein. Je préfère aller marcher par rapport à la boutique parce qu'il y a un sentiment de liberté qui est très fort. C'est-à-dire que la boutique, c'est un confort, c'est-à-dire que les gens savent où tu te trouves, ils savent exactement les heures d'ouverture, tu es sûr de les avoir, quoi. Le marché, c'est plus aléatoire. Oui, la moitié, oui. Non, c'est pas frontal. Le vert, c'est de la modération naturelle. Tu vois, comme c'est des fromages qui ne sont pas pressés. C'est vrai qu'on s'est souvent demandé est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'avoir une boutique. Et finalement, en allant à la rencontre des gens, tu crées un lien qui est plus fort que dans une boutique. Et en plus de ça, il n'y a pas cette lassitude, c'est-à-dire qu'on se voit une fois par semaine et du fromage, on l'achète une fois par semaine. Ce n'est pas comme le pain ou la boucherie où tu vas chercher tous les jours en beefsteak. Le fromage, c'est quand même quelque chose que tu peux acheter pour la semaine parce que ça se conserve déjà bien et que c'est pas un truc que tu vas acheter au quotidien par habitude. Depuis tout petit, mes parents allaient sur le marché et le marché fait partie de ma vie. Et la question ne s'est même pas posée. Quand on m'a proposé de faire les marchés, grâce à Francis, j'y suis allé tout de suite. J'ai trouvé mon compte. Et si un jour, par exemple,
pour une question, j'allais dire, de crise ou de ras-le-bol, j'en ai marre de l'endroit où ça marche un peu moins bien, où notre chiffre d'affaires est en baisse, je peux toujours demander une autre place de marché ailleurs et donc pouvoir me retourner. En ayant une boutique, on est quand même prisonnier des murs, et c'est une prison dorée, c'est-à-dire que si ça ne marche pas, vous n'avez pas beaucoup, à part la communication j'allais dire, votre dynamisme, vous n'avez pas de solution pour sortir de ce problème. Donc nous, on est quand même à la fois libre mentalement en se disant ben, on n'est pris par rien, et deuxièmement, on va voir les gens, donc on est sûr de créer un lien avec eux. Alors que la boutique, on attend que les gens rentrent chez vous, et c'est vrai que c'est pas pareil. Tu pousses une porte, tu te mets un peu sur la défensive, je pense. Alors, si on est tous dehors, on est tous sur le même pied d'égalité, et c'est plus facile de communiquer, c'est plus facile de vendre, et c'est plus facile d'acheter aussi. Donc, et puis en plus, c'est plus facile de créer des liens. Et la boutique, c'est vrai que c'est un peu bizarre. La solution la plus logique, c'est les marchés. C'est une solution affective pour moi, parce que j'adore ça. Et c'est une solution aussi de viabilité, en fait. On n'a pas trop le choix, quoi. Ah, ouais, oh, le magasin Tati. Pas remboursé par la sécu. Oui. Ça va, il est gentil avec vous. Bonjour, ça peut aller. Attention, c'est là qu'il a fallu que les choses. Voilà. Ça veut que ça dure. Jusqu'à Noël, c'est bon. C'est un peu trop. C'est un peu de saison, ouais. Ouais. Avec ceci. Moitié salaire, j'ai un bon cantal, moitié salaire, moitié Allez, c'est vraiment joli, venez devant une petite grille. On y était au mal en blanc là, dis donc. Manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Et beaucoup de fromage. Bonjour madame. Oui, d'accord. Excusez-moi. Ah, encore plus grave. Oh non, je prends ça. Je prends ça. Oui, allez. Et puis, bah c'est bon pour moi. Encore ? Encore ? Non, eat that one first. Ça y est, c'est parti, j'ai l'impression. Il y a 3 ans, on a été beaucoup sollicité par les restaurateurs parce que jusqu'à présent, on ne travaillait pas avec, on faisait que du détail. Et sur les marchés, on avait une très bonne réputation et ça a fini par intéresser les restaurateurs. Si vous voulez, de plus en plus, les restaurants veulent retourner, laisse tomber les grossistes traditionnels avec des produits lambda, comme on en trouve partout dans les villes. Ils veulent se tourner vers des filières un peu plus courtes et avoir affaire à des gens qui connaissent. Et l'avantage de travailler avec un fromage affineur, c'est que tu as l'affinage que tu veux. Si tu veux un fromage un peu moins fait, ben tu l'auras un peu moins fait. Si tu le veux un peu plus fait, selon ce que tu as besoin, tu peux. Et ces restaurateurs sont venus nous solliciter. Et nous avons commencé à les servir. Et nous sommes aperçus, lors de nos contrôles vétérinaires, que nous n'avions pas le droit de les servir. Et ça m'a choqué et je me suis demandé pourquoi. Alors j'ai téléphoné au service vétérinaire, j'ai pris rendez-vous avec eux et je leur ai demandé pourquoi. En fait, il existe un agrément qui a été voté il y a quelques années qui consiste à cette chose-là, c'est-à-dire que si vous êtes détaillant, vous ne pouvez vendre à un restaurateur, à moins d'être producteur, et de demander le droit de le faire. Moi, je ne suis pas producteur, je ne suis qu'affineur. Je suis entre les deux, je suis entre le grossiste et le producteur. Donc, j'ai demandé comment ça se faisait. Ils m'ont dit,
clairement, ils m'ont fait comprendre que c'était pour des raisons d'hygiène, en fait. Alors, je ne comprends pas trop parce que nous, on était irréprochables au niveau de l'hygiène et tout ça. Chaque contrôle qu'on a eu, on nous a toujours dit que notre établissement était impeccable. En fait, en grattant un petit peu, en réfléchissant, je me suis dit, c'est surtout un lobbying très fort de la part de toutes ces grandes chaînes, que ce soit, on va les citer pour de rire, les grands groupes alimentaires, on va dire, les Carrefour, machin, Auchan, etc., qui possèdent en fait tous les gros grossistes qu'il y a en France, et qui en fait ont bétonné ça en faisant passer un agrément pour éviter que les petits puissent aller servir des restaurateurs. Donc on est obligé d'avoir un agrément pour servir une cantine, on est obligé d'avoir un agrément pour servir un petit restaurant, on est obligé d'avoir un agrément pour servir... Donc en fait, cet agrément est très complexe à avoir. Il est vraiment difficile. Et ça demande beaucoup de temps et d'énergie. C'est un dossier de 85 pages à remplir, dans lequel il faut tout noter de façon précise, en fait, de manière procédurière, tout ce qu'on fait, tout ce que l'on doit faire. On se lave les mains, on s'essuie avec une lingette jetable, je mets ma charlotte, je fais ci, ma charlotte, tout ce qu'on fait dans la chambre froide, toutes les opérations que l'on fait, doivent être détaillées, notées, classifiées, et on doit tenir compte de tout ça. Là-dessus, du matériel qu'il a fallu changer, donc je me suis lancé là-dedans en me disant, ils n'ont pas le droit de nous faire ça. On nous demande de servir des restaurants, il faut absolument que je le fasse. Le problème, c'est que c'était un vrai frein financier, c'est-à-dire que c'est un investissement financier, il a fallu changer tous les locaux, se mettre aux normes en l'été, mais se mettre aux normes spéciales pour pouvoir servir les restaurants. Ensuite, monter ce dossier qui a demandé beaucoup de temps et d'énergie. Donc j'ai eu l'aide de quelqu'un dont c'est le métier, qui ne travaille pas dans ce domaine-là, mais dont c'est le métier, qui est la femme de mon employé, qui nous a aidés. Je la cite, son prénom, Audrey, je te remercie Audrey, à monter ce dossier qui était très complexe. Et grâce à elle, on a réussi. Et je pense que le commun des mortels, c'est-à-dire qu'un fromager comme moi, ne peut pas remplir ce dossier. S'il n'est pas aidé par une personne, et si derrière lui, il n'a pas des gens compétents comme j'ai. En fait, c'est une façon de couper toute envie de grossir aux petits. Et cet agrément, c'est une honte, et j'en suis convaincu. Et je l'ai fait aussi, parce que j'en avais pas besoin particulièrement de servir d'un restaurant, pour nous, ça allait pas trop mal, en me disant, ils n'ont pas le droit de faire ça, et le bon fromage doit être partout. On ne peut pas avoir ces fromages qu'on achète chez Métro ou ailleurs, qui sont aseptisés, dont on n'a pas pris soin. Et je me suis dit, il est hors de question, il faut remettre le fromage partout, le bon fromage partout en France. Combien d'étrangers viennent au restaurant et sont déçus de ne pas avoir de fromage, et de ne pas avoir de bon fromage? Je me dis qu'il y a un vrai marché à prendre, et ils n'ont pas le droit de le verrouiller, ce marché-là. Donc on a fait cet effort, on a réussi à l'obtenir, et ça nous a laissé un peu sur les rotules. On a mis 2 ans à ça, enfin, on a mis 2 ans à faire ce chantier, quoi, parce que c'est un chantier entre la partie technique, la partie pratique, la partie théorique. C'était un vrai chantier, et on arrive au bout du bout, et je peux vous dire qu'on y a laissé des plumes, et que ça valait quand même le coup, parce que je me dis, ben voilà, maintenant on a le droit de faire ce qu'on veut, quoi. Voilà. Pour revenir sur l'agrément, là, ce qu'on disait sur la grande distribution et la mainmise qu'elle a prise en fait sur les produits en général et sur le commerce. On a vu la première partie, c'est sur le commerce, c'est-à-dire nous, en nous empêchant de pouvoir vendre aux restaurateurs et aux collectivités par le biais de cet agrément, c'est protégé. Mais elle ne fait pas que ça. C'est-à-dire que dans les appellations contrôlées, ils achètent des laiteries qui produisent des fromages d'appellation contrôlée, qui réussissent à faire passer, soit en pasteurisé, soit en thermisé dans un premier temps, et qui en fait mettent la mainmise sur certaines appellations. On l'a vu sur le camembert, ça a posé des vrais soucis. Le camembert a fini, l'appellation camembert a fini par gagner une partie de sa bataille, mais a lâché son nom. Le mot camembert est un nom commun. Camembert de Normandie a été protégé, mais ils ont été obligés de lâcher sur camembert, parce que la grande distribution a mis son nez là-dedans, par ces groupes, ces grands groupes laitiers, Lactalis, que je cite systématiquement parce que c'est le plus gros au monde, donc avec Parmalat, donc c'est un groupe français. Et ces grands groupes ont mis la main là-dessus, quoi. Ont mis la main là-dessus, et en fait, font éclater, et font, par le biais de l'Europe, par le biais de leur lobby, font éclater en fait le cahier des charges qui était réservé à chaque appellation. C'est-à-dire qu'on introduit le thermisé, on introduit le pasteurisé,
dans le cahier des charges des appellations, on introduit certains produits qu'on ne devait pas introduire, des modes de fabrication qui étaient au départ conçus dans l'appellation pour être protégés, ne le sont plus. Et ça, c'est à cause de l'Europe, et parce qu'on est passé d'une AOC à une AOP. Et donc, on a assoupli des règles qui protégeaient en fait les petits producteurs. Et donc, on a ouvert la boîte de Pandore. Et pour ce faire, on a ouvert la porte à la grande distribution. Et on a certains produits qui baissent en qualité. Donc c'est à nous, les crémiers, fromagers, affineurs, les professionnels de j'allais dire aussi les producteurs, de protéger tout ça en le citant, en le mentionnant et en expliquant ce qui se passe. Et donc notre travail, il est aussi quelque part, j'allais dire, comme un gardien de musée, on protège notre savoir-faire, on protège notre histoire, parce que la France, c'est le fromage, et le fromage, c'est la France. Donc, par notre travail, on est les garants de la qualité, et surtout, d'un savoir-faire. Et il faut absolument que les gens viennent nous voir et achètent chez nous. On n'est pas plus cher qu'en grande distribution, j'arrête pas de le dire. Je vends mes époisses le même prix qu'à Auchan, à produit égal, on est au même prix. Et je demande aux gens de bien faire ce distinguo et d'aller acheter leurs produits en grande distribution, venir chez nous avec leurs étiquettes, de comparer les produits et vous allez voir, on n'est pas plus cher. C'est moins cher parce que c'est de moins de bonne qualité, surtout. La découverte des restaurateurs, ça s'est fait un peu de façon particulière. Donc c'est eux qui sont venus nous chercher et nous ne savions pas travailler avec eux. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de produits spéciaux pour la restauration. Au départ, nous ne leur avons servi que des produits que l'on vendait à l'étage. Et on a décidé de continuer dans cette optique-là en se disant qu'on n'était pas capable de vendre des produits purement restauration, du beurre, des choses comme ça. Et puis... eux, dans un souci de ne pas se disperser au niveau des fournisseurs, nous ont demandé de le faire, donc on l'a fait. Quand on coupe un fromage, le jour de la découpe, on a un mois de délai. Donc, on pose. 12, 15 donc voilà. La bonne livraison va aller. On est très content de faire ça aussi parce qu'on a une offre globale à leur proposer, ça leur évite de courir. Mais c'est surtout que c'est des nouvelles relations. On n'avait jamais travaillé avec des professionnels, on travaillait qu'avec des particuliers jusqu'à présent. On vendait notre marchandise à des particuliers avec qui on avait un retour direct. Et c'était facile pour nous de corriger un peu le truc. Là, on vend des produits qui vont être revendus un peu plus tard en fait. Donc c'est une autre démarche, hein. Il faut d'autres affinages, hein. Il faut des choses qui durent un peu plus dans le temps, il faut être à leur écoute. Et on s'est aperçu qu'on avait des super retours indirects. C'est-à-dire que les gens vont au restaurant, et souvent, comme il se fait beaucoup de nos jours, plateau de fromage de chez Sylvain, c'est marqué souvent au restaurant, ou légumes bio des petits jeunes de Flomy, machin. Il y a toujours un petit rappel du producteur local ou de l'affineur, ou de la personne qui a fourni les produits, pour rassurer le client. Et quelque part, ça nous, on fait la même chose sur notre site, on cite les restaurants avec qui on travaille, de manière à ce qu'il y ait un lien qui se fasse avec eux. Et finalement, ça fait une espèce d'équilibre, et souvent, il nous arrive d'avoir des gens qui sont allés au restaurant, qui ont goûté nos fromages, et qui viennent à l'étalage après. Donc finalement, on n'a pas beaucoup de marge avec les restaurateurs, ça demande beaucoup d'énergie, mais quelque part, ça permet d'asseoir une reconnaissance, et en plus de ça, de rassurer les gens sur la qualité de nos produits. Je donne ça, là, c'est fait. Donc les sapins, ils vont prendre 12 chamours. Là. Alors, tiens, voilà, 12 chamours, tu me dis le lot. Alors le lot, oui, de 227-299. Oui. Et la date, c'est 25-12. Noël. Ensuite, les poisses. À chaque fois qu'on fabrique, on marque pareil que sur le bon de livraison, le numéro de l'eau et la DLUO, c'est-à-dire la date limite d'utilisation. Voilà. Donc on va marquer tonnerre en 15 pièces, 3 x 5. Alors la DLUO c'est 13-11. Et la date donc c'est le 22
15. Voilà. C'est une vraie abondance, la coopérative d'abondance. Au village même, à la chapelle d'abondance. Voilà, c'est une très belle qualité. Ça. Ça doit être obligé de la déshabiller un peu. Voilà, on va leur faire un quart. C'est pas toujours évident avec les produits fermiers parce que comme tu peux voir là c'est pas très rond quoi. Alors quand on coupe on fait toujours attention à être bien droit parce qu'on va pas faire des surprises parce qu'on n'est pas au milieu ou on n'est pas exactement là où il faut. Voilà si c'est pas trop mal passé. Hop. Alors pour les couper il n'y a pas 36 solutions. Parce que je fais c'est que je les mets sur le champ, j'en ai quoi ça entre mes jambes, je glisse le fil ici. Voilà. Je vérifie qu'il soit bien droit parce que la coupe va conditionner tout le reste de la coupe. Je me mets dans l'axe du fromage. Je vois si de l'autre côté je suis droit aussi. Et je tire avec une de mes deux mains jusqu'à la moitié. Après je réunis les deux fils. Et je tire. Voilà. Donc on a un demi-fromage qui va partir. C'est-à-dire qu'on est présent dans des restaurants étoilés, que ce soit de Tournu, en parlant ben, la Spirule à Auxerre, les terrasses à Tournu, il y a des restaurants sur Dijon, sur Paris, et en fait on s'aperçoit que tout cet ensemble, en fait, ça tisse une toile dans laquelle on est un peu au centre de tout ça, et souvent les gens reviennent parce qu'ils ont goûté tel fromage, quand ils sont dans la région, viennent chez nous acheter du fromage en disant ben, on a goûté ça dans tel restaurant. Et eux, ça leur fait de la pub, et nous, ça nous fait de la pub aussi, et je trouve ça super quoi. Les restaurants, ils sont au nombre de plus de 30, on va dire, je ne sais pas le nombre exact, entre 30 et 36, je ne sais plus exactement. On a beaucoup de chambres d'hôtes aussi, où on a des restaurants gastronomiques qui travaillent avec nous. Je pense au château de Courban, à côté de Châtillon-sur-Seine. Je pense aussi à notre ami Keigo Kimura, la Spirule à Auxerre, qui a une étoile au guide Michelin. Ainsi que les terrasses à Tournu. Qui travaille très très bien, aussi qui a une étoile. On a quelques restaurants un peu cotés sur Paris, que ce soit Fiche au passage, où on mange très bien, qui sont des restaurants un peu branchouilles, comme on dit. Donc finalement, notre représentation, elle est importante dans tout ça. Je ne fais pas ça à tout le monde. Hein. Je ne fais ça qu'à François Pierre, genre la chambre de François Pierre. J'ai commencé, j'étais tout seul au départ, je me levais de bonne heure le matin, j'allais travailler, je faisais mon marché, je rentrais, je repréparais pour le lendemain, je lavais ma remorque, et j'ai fait ça pendant 7 ans. 7 ans, je suis resté tout seul, et ça m'a permis d'apprendre le métier, et surtout d'appréhender tout, que ce soit le nettoyage, passer le balai, la comptabilité, les papiers, gérer les fournisseurs, les clients, etc. etc. Et donc, du coup, je me suis un peu usé la santé. Et la boîte a commencé à grossir de façon exponentielle, très légèrement au départ, et puis de façon un peu plus forte sur la fin. Et à la 7e année, j'ai été obligé de me tourner vers quelqu'un pour embaucher, pour avoir de l'aide. J'ai demandé à ma femme de m'aider. Ça n'a pas très bien fonctionné. Pas un caractère facile. Et du coup, j'ai été obligé de prendre, dans un premier temps, un apprenti. Et dans un deuxième temps, un employé. Et j'ai embauché mon meilleur copain, Jean-Olivier, que je salue. Et ce dernier m'a beaucoup aidé, s'est investi à mes côtés, il est toujours là. Ensuite, la boîte a continué à grossir, parce qu'il a fallu que je prenne un marché de plus pour pouvoir le payer. Parce que, voilà, il s'est posé le souci, c'est que j'avais pas assez de ce que j'ai gagné pour payer un employé. Donc il a fallu ajouter une petite charge de travail pour qu'il puisse se payer. Donc j'ai pris un marché de plus, le marché de Saint-Florentin, le samedi matin. Et ça, plus un autre marché le jeudi à Valon, j'ai réussi à payer Jean-Olivier comme ça. Donc il s'est payé tout seul par son travail. Et il m'a aidé en contrepartie sur les marchés où j'étais un peu débordé. Donc ça s'est bien goupillé. On a tenu
2 ans et demi comme ça, et puis ça continue à croître. Donc on a demandé à ma femme de revenir dans l'entreprise. Elle a accepté, bien sûr. Et elle a trouvé sa place parce que je n'avais plus le temps de faire les papiers et de faire certaines livraisons et d'aller chercher des fromages. Donc elle s'est occupée des achats locaux et tout ce qui est comptabilité. Donc ça m'a laissé, si vous voulez, un peu de temps pour travailler. Et ça n'a pas suffi. Il est arrivé un moment où on s'est retrouvé avec la sollicitation des restaurants. On n'a pas pu tenir, quoi. On ne pouvait plus tenir, on a beaucoup travaillé. Et je demandais à un de mes grossistes qui voulait arrêter Rungis, un jeune homme de 35 ans, enfin pas tout à fait 33 ans, de venir nous aider. Et il a accepté. Au départ, il voulait acheter ma boîte carrément. J'ai dit, c'est pas possible. Donc il m'a dit, ben, écoute, je veux travailler avec toi. Et depuis, il est avec nous. Donc on est 4 personnes. Et on n'est pas de trop. Parfois, j'ai un mi-temps avec moi en tant que vendeuse en plus, qui s'appelle Céline, que je salue. Thomas, donc le nouveau venu. Et il faudrait qu'on s'arrête un petit peu parce qu'on est un peu pris par le truc. Ça grossit trop. Et le tonnerre est un vrai succès, donc ça nous pousse aussi à. On va être obligé d'embaucher peut-être une personne de plus pour le lavage des fromages. Et il faudrait s'arrêter un petit peu là, quoi. Ça va trop loin. Là, actuellement, on est les plus gros fromagers de Bourgogne sur les marchés. Voilà, donc ça donne une échelle du truc. Si on est les plus gros, mais on n'est pas nombreux, hein. On doit être 13. Donc on est les plus gros des petits. Voilà.